Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la préparation de vos différentes solutions à base des végétaux de façon naturelle pour traiter vos animaux. Et ce sont des solutions très efficaces, car ces solutions ont été approuvées par plusieurs fermes d'élevage. Donc j'ai décidé de vous présenter ces différentes solutions dans cette vidéo aujourd'hui. Alors si c'est pour ta première fois sur ma chaîne, n'hésitez donc pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Partagez pour que les autres en bénéficient de ces traitements. Partagez les amis, partagez. Premièrement, de façon générale, pour lutter contre les infections virales et bactériennes, voilà une préparation qui permet de lutter au maximum possible contre ces infections. Et comme ces infections, on a grippe aviaire, variole aviaire, gomboro et d'autres infections que je n'ai pas pu citer ici. Et pour la préparation, voilà les ingrédients que vous pouvez utiliser. Vous prenez 5 litres d'eau, 1 kg d'oignon, 3 à 4 têtes d'ail. Que vous découpez et l'oignon et les ails, vous les découpez sans les éplucher. Ensuite, laissez macérer dans un seau. Ces oignons et les 3 à 4 d'ail découpés et vous fermez. Et cette fermentation dure environ une quinzaine de jours. Après cette période de fermentation, vous pouvez vous en servir. Ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe de cette préparation et par litre d'eau que vous servez à vos volailles chaque jour. Voilà, la première préparation, c'était une préparation soi-disant générale. Et maintenant, nous allons essayer d'entrer de façon spécifique avec les différents ingrédients. Pour le premier ingrédient, nous allons parler de celui de l'ail. L'ail, lui seul, on peut l'utiliser pour lutter contre les infections. Car l'ail est un antiseptique, un antiviral, un antispasmodique, un bactéricide, c'est aussi, un bactéricide et vermifuge encore. L'ail renforce également les défenses immunitaires, améliore la circulation du sang et prévient les infestations par les parasites. Donc, et pour l'utiliser, vous pouvez le découper en des petits morceaux que vous servez à vos volailles. Ils vont manger comme ça. Ça aussi, ça lutte contre les infections et ça fait de nombreux travail à vos sujets. Ça protège aussi la santé, comme je l'ai dit. L'ail renforce les défenses immunitaires, améliore la circulation du sang et prévient les infestations par les parasites. Le troisième ingrédient ici concerne le vernonia. Le vernonia, c'est une légumineuse. Donc, si vous ne le connaissez pas, voici l'image. Le vernonia, c'est un puissant antibiotique et un antiparasitaire. Et pour faire la préparation pour le vernonia, c'est simple. Il vous suffit de prendre de l'eau propre dans laquelle vous triturez les feuilles de vernonia. Puis, assoiffez les animaux pendant une nuit avant de les servir. Car le vernonia, c'est une plante très amère et il faut que les animaux aient soif pour être obligés de consommer son eau. Donc, cette préparation doit être faite une fois tous les mois que vous donnez à vos sujets. Vous allez voir, vos sujets seront en bonne santé. La troisième plante que je vais vous montrer ici, c'est le neem, un puissant anticoccidien. Comment obtenir la préparation? C'est simple, vous pilez les feuilles de neem jusqu'à 1 kg de feuilles, mélangez les 1 kg de feuilles pilées à 5 litres d'eau. Laissez reposer, puis ensuite maintenant vous allez filtrer. Une fois vous avez fait toutes ces étapes, maintenant comment servir cette préparation à vos poules? C'est simple, il vous suffit de donner la préparation comme eau de boisson pendant 5 jours successifs, vous allez voir.
vos animaux se sentiront mieux. Ou simplement, vous prenez les 1 kg de feuilles de neem pilées que vous mélangez à 10 kg de provandre. Et vous servez à vos sujets comme aliment. Les précautions à prendre contre cette préparation, c'est de ne pas garder la solution que vous avez préparée au-delà de 5 jours et au-delà de 24 heures. Donc cela veut dire quoi? À chaque 24 heures, une nouvelle préparation. Et c'est aussi comme ça pour les 1 kg de feuilles pilées que vous mettez dans la provende. Donc 1 kg de feuilles pilées pour 10 kg de provende en s'assurant que vos animaux vont manger pendant les 24 heures, c'est 10 kg de provandre. Ou si ce n'est pas le cas, vous allez essayer de faire un règle de 3. Je pense que c'est simple. Pour 1 kg de feuilles pilées, il te faut 10 kg de provandre. Si par exemple tes animaux vont manger 5 kg de provandre ou bien 4 kg de provandre, alors combien de kilos de feuilles il me faut pour ces 4 kg de provandre? Je pense que après les calculs maintenant, vous saurez combien de kilos de feuilles vous allez piler, 0,5, 0,4, en tout cas ainsi de suite. Après les calculs, vous allez savoir. On a le Caecidra, un excellent déparasitant. Pour utiliser le Caecidra, c'est simple. Vous allez prendre les écorces du Caecidra, nettoyer ces écorces et tremper dans l'eau pendant 3 jours. Et l'eau sera donnée une à deux fois par semaine à vos sujets. Pour le déparasitage des animaux, il faut bouillir dans l'eau les écorces du Caecidra et les servir après le refroidissement. Et cela une fois tous les mois. Et n'oubliez pas d'assoiffer la nuit ou bien la veille les animaux car la solution est aussi amère. Ensuite, je vais vous présenter le carica papaya, le papayer. Vous découpez la racine et mettez dans l'eau de boisson pour les oiseaux. Utilisez à titre préventif et curatif contre une maladie. Donc vous pouvez l'utiliser même si vos animaux sont en bonne santé et aussi l'utiliser même si vos animaux sont malades et cela vous permettra de rétablir la santé de vos animaux. Le piper nigrum, c'est aussi une plante à utiliser pour lutter contre les infections. Comment faire la préparation du piper nigrum? C'est simple. Vous allez écraser du piment et du poivre. Ajoutez un peu d'eau et abreuvez les oiseaux. Pendant 3 jours, renouvelez le traitement tous les 15 jours. Je vais aussi vous présenter les feuilles de nérée. Les feuilles de nérée sont des antiparasitaires. Ceci permet de lutter contre les parasites externes. Comment procéder? C'est simple. Vous allez déposer quelques feuilles dans le nid ou dans la couchette des poulets. Renouvelez le traitement tous les 7 jours jusqu'à la disparition des parasites. Utilisez à titre curatif, c'est-à-dire quand vous observez la présence des parasites, donc vous essayez, vous allez voir comment ça. Et vous allez aussi, on a le ficus exasperata. Vous faites la même chose comme le néré. Et pour finir maintenant, je vais vous présenter le roi de ces produits naturels. Et c'est quoi le roi de ces produits naturels? C'est la poudre de moringa. Cette poudre de moringa suffit à lui seul pour gérer la plupart des maladies aviaires, comme la première recette que j'avais citée dès le début. Mais la poudre de moringa suffit à lui seul pour gérer la plupart des maladies aviaires, car elle agit comme un vaccin contre tout virus en renforçant l'immunité naturelle des animaux, désintoxiquer l'organisme, donner de l'appétit aux animaux, être un excellent complément alimentaire en apportant toutes les substances nutritionnelles nécessaires manquant dans leur nourriture.
aider les animaux à guérir de toutes leurs maladies. Pour cela, elle doit être mise dans l'eau des animaux tous les jours. Mais il faut veiller à ce que les animaux mangent avant qu'ils ne prennent l'eau de moringa, sinon ils peuvent succomber sous son effet. Comment préparer la poudre de feuilles de moringa? C'est simple. Cueillir les feuilles de moringa sur les arbres, les trier, les laver, les égoutter, puis les sécher à l'abri de la poussière, des mouches et du soleil. Pourquoi à l'abri et du soleil? Car les rayons ultraviolets détruisent les substances nutritives, raison pour laquelle nous conseillons de sécher ces feuilles à l'abri de la lumière et des mouches. Une fois sèches, les broyer finement et les conserver dans un récipient hermétique. Comment l'utiliser? La dose est de 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau. Son efficacité est prouvée un peu partout et comme exemple, elle peut améliorer la ponte des oiseaux qui peut passer de 32% à 80%. Elle a été prouvée dans plusieurs fermes d'élevage, raison pour laquelle je vous ai présenté cette préparation aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez, dans cette chaîne, nous parlons des animaux d'élevage concernant leurs zootechniques générales et spéciales, les maladies animales, les animaux susceptibles d'être attaqués par ces maladies et les moyens de lutte efficaces contre ces maladies, y compris modernes et traditionnelles. Alors, si ceci t'intéressait, n'hésitez donc pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour soutenir notre chaîne.